Quoi? Allez, c'est parti, on va team Grenadi contre sac à foutre. Allez, on commence. Alors, Grenadier avec Ryu contre Moot avec son Ken. Moot, l'équipe des 5 à foutre. Bon, pour l'instant, ça commence tranquille, chacun dans son coin. Voilà, Ken qui essaie de se rapprocher. Oh là là, ça fait bobo, ça. Combat de boule. Tatsu, là, ouais, Ken qui a pas su sauter. Aïe, 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 il s'est pris un fruit dans la gueule. Premier round pour Grenadier, la team Grenadi. Superbe. Bon, ça commence bien. Oh là là, il se passe des choses à l'écran là. Oh là, Ken qui a réussi à choper, super. Il a bloqué dans le coin. Oh là, on se dit à chaque fois qu'il va comboter, mais en fait non. Oh le dragon, super. Un partout. Oh là, Ken commence fort là. Grand match, hein. Attention. Voilà, Ken qui essaie de piquer. Il sait pas trop quoi faire, j'ai l'impression, en fait. Voilà, Tatsu, pour l'instant, c'est après égalité. Ken qui a une Fury. Enfin, super. Oh là là, il suffit que je dise, il la place. Ouais, il m'a écouté. Voilà, groupe entière, boule. Attention, il a une Fury. Aïe, 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 c'était sûr qu'il allait s'apprendre. Oh là là, c'est con, ça. Et maintenant, c'est au tour de Pitchman. Allez, on... Dagobert à la Pitchman qui prend l'avantage. Là, il est bien pour l'instant. Bon dragon là, super, bien placé. Voilà, tranquille, il remonte tranquillement Ryu. Petite boule. Il garde son adversaire à distance, il a raison. Ah, il s'est fait cueillir à froid là. Oh la claque dans la gueule. La team sac à foutre qui remonte. La team sac à foutre, plein d'espoir. Voilà, voilà, il presse, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, j'ai cru qu'il y avait un chop, mais non, même pas. Bon petit combo là, Ryu qui est complètement là. Ah, il peut plus bouger là, le pauvre Honda. Oh là, il le presse, attention, il va peut-être... Oh, dommage. Un partout. Ouais, il a manqué le petit truc là. Bon, il a le bête dragon, c'est dommage. Voilà, pour l'instant, Grenadier qui joue quand même bien safe, hein, tranquille. Il joue pépère. Honda qui revient là. Ça, ça rigole pas. Ah, c'est chaud pour Honda là. Oh, je le sens mal. Oh, la furie. Aïe aïe aïe, il a gratté, bien joué. Donc la team Grenadi qui passe le premier tour. Et maintenant ça va être au tour de je sais pas qui. L'équipe San. Ouais, ben Pierre, faut qu'il arrive, il fait quoi là? Allez, c'est parti, l'équipe présidentielle à gauche, donc c'est Chun-Li joué par Ostali, contre à droite Richard de la team, je sais pas, la team San. pour l'instant c'est Gaël qui a l'avantage, là qui se retrouve dans le coin et qui subit pas trop la pression pour l'instant. Oh la Fury sortie de nulle part. Et finalement ça suffit pas. Premier round. Remporté par l'équipe Legion of Doom. Les vieux catcheurs. Les retraités du catch. Oh, R.E.P.
REP à Hawk, voilà. Pour les connaisseurs, j'en suis pas du tout, mais... Et en attendant, c'est chaud. Richard encore dans le coin, qui essaie de s'en sortir avec des flash kicks, mais qui ne touche pas. La petite Fury, encore une fois, qui donnera rien. Et une petite shot dans le coin pour finir. Voilà, c'est maintenant le lieutenant. Tom Shot. Ah, quel beau gosse, hein. Quel sourire. Ah là là. Et il sort. Il sort Redmond. Le slip rouge, attention. C'est jour de fête des mères. Il a sorti le slip rouge. Ah, pour l'instant, il est très sage. Il reste dans son coin. Ça mange quelques boules. Ça commence déjà à représenter quelques points de vie, là. C'est chaud. Ah, là, le pressing, là, qui a été complètement anéanti. Par Sean Lee, là, qui gère intelligemment, là, pour l'instant. Qui se laisse pas avoir. Qui recule pour pas subir, bien évidemment. Le pressing à Edmond. Et voilà, le petit douce-couille qui vient mettre dans le coin. Allez, coup de cul à l'infini. Eh, le douce-couille pour terminer. Ah, elle est bien remontée, là. Un round partout. Ah, là, le... L'anti-air reversal qui anéantit le pressing. Encore une fois, là, il passe bien. Et en attendant, ça lâche des boules à côté. Et voilà, le petit douce-couille en anti-air. Oh là là. Le gros kick en l'air, là, il était terrible. Oh, la petite furie à la redescente. Il y avait une petite chop après, éventuellement, à placer, là. Oh, oh, oh. Oh. Oh, et le douce-couille qui vient gratter. Ah, c'est intelligent. Et voilà, le temps Clark qui va pouvoir avoir l'honneur, l'immense privilège d'affronter Monsieur Garignon. Équipé, comme à son habitude, du fameux pantalon beige connu dans toute la France. Avec sa griffe qu'il élève à l'internet depuis qu'il est rentré du Stunfest. Et pour l'instant, il subit un peu là les pressings du lieutenant Clark. Il prend des torgnoles. C'est juste chaud pour sa gueule là. Oh là, le cross-up bien senti. Oh, la chope. L'arnaque. Jean-Yves qui prend une option sur la victoire. Ah, la lieutenant Clark là, qui recule avec des sauts petits points pour essayer de contrer hein, les you à l'infini. Et il s'en sort plutôt pas mal, le cross-up qui touche. Un round de partout. C'est putain de chaud, hein. Là, Jean-Yves qui se fait mettre dans le coin, qui renverse la tendance avec une chope tout de suite. Qui re-chope à nouveau. Il se retrouve déjà dans le coin. Oh là, le douce couille qui le fait rester au sol. Les coups de griffe. Cross-up à nouveau. Oh, on l'a pas vu celui-là. Oh. Ah là, c'est tendu, là, c'est serré. Oh! Et voilà, Jean-Yves qui qualifie son équipe pour, je sais pas trop, les demi-finales peut-être. Oh, c'est France-Allemagne. Allez, c'est parti. Oh, l'Otionag est trouvé. Kami qui a déjà plus de vie.
Wow. Putain, super en reversal. Ah, laisse tomber. C'est showtime. Oh la vache. Oh, ce stun. Il rate, il rate. C'est ça là, c'est propre. Allez, allez, c'est pas fini. Ah putain. Tente ta chance, tente ta chance. Voilà, Narok qui va essayer de rétablir mon honneur. Mon dépucelage avec son Fei Long, c'est chaud. Ah, pour l'instant là. Pour l'instant il a pas l'avantage, mais Honda est dans le coin. Qui avance bien avec les mayonnaise. Oh là. Le bas point. Ah, il contre bien le chicken wing là, c'est joli. Encore une fois avec un 12 couilles. Ah, le dragon, joli. Oh là là, encore le coup de cul cross-up complètement intestable. La furie pour gratter, mais pas suffisamment. Ah là, il prend les requins en punition, c'est bien joué. Oh, le faux cross-up qui n'en est pas un. Un round de partout. Ah, les requins pour presser, faire des dégâts de garde, mais... prend la chope spéciale malheureusement. Ah, il est patient là, Honda, sur les chicken wing. Oh joli, ça touche en cross-up sur la furie. Ah joli là, le stand de Light Punch. Ah mais ça suffit pas. Voilà, victoire de l'équipe France-Allemagne. Putain de 2 à 0. Après, c'est la team GGP. Voilà un match que je déteste, des Indiens sur tout l'écran. Voilà, ça se met des petits points. Ça attrape. Oh, c'est coup de coude. Arrêtez très vite. Allez, c'est le deuxième round. Oh, le gros dragon qui va chercher tout de suite dès le début, là. Ah, le grand dragon dans la garde, puni par le 3-6 tout de suite. Ah, ça soulève encore une fois, un partout. Le dragon est dans la garde. Double dragon. Comme sur NES quoi. Il n'y a plus beaucoup de vie des deux côtés là. Oh, et le gros kick traditionnel pour finir le match. Voilà, 1-0 pour l'équipe GGPO Squatters. Voilà, c'est le plus faux de tous les Indiens qui rentrent maintenant en scène. Ouais, il a émigré en Thaïlande depuis. Ouais. Il en a marre de vivre dans sa réserve. Il est parti vivre la grande vie à Phuket. L'alcool et les putes pas chères, et voilà, c'est la Thaïlande tout de suite. Et voilà, ah, c'est la phase classique ça. Voilà, le grand dragon, hein. Bien senti. Et voilà, le Tiger Knee là tout de suite en réaction sur le saut. Hop, et voilà, LP 3-6.
premier round pour Milanea, qui saute et qui soulève tout de suite. Ah, le dragon là qui a bien été gardé. Ah là par contre, ah, juste une petite chope. Punition gentille. Ah là pourtant il s'énerve de nouveau là. Aïe, oula, gros kick. Ah, le dragon qui passe à travers le Tiger Shot et à nouveau le dragon. Voilà, victoire de la team GGPO Squatters, qui on voit donc les Indiens en braguette des perdants. Donc nous avons à gauche donc la team Grenady contre l'équipe présidentielle Legend of Doom. C'est Estali qui commence avec Chun-Li contre Indy et son Ken. Qui pour l'instant joue avec les boules. Chun-Li qui gère pas trop mal les distances là, avec la balayette. Qui se fait attraper. Et le dragon là. Non, non, on saute pas comme ça, c'est pas permis. Même à Nancy, tu peux pas. Attention là, il a apparu de l'autre côté, faut être vigilant. Et le premier round est pour Chun-Li. Allez, le deuxième, c'est parti tout de suite, on perd pas de temps. Et voilà, la chope. Okay, malheureusement, Teke qui fait pas tous les dégâts. Voilà, pressing standard balayé de boule. Il arrive à toucher. Oula, il y a eu de la phase intéressante, mais. Et voilà. À nouveau, la boule qui saute, dragon. Oh, intéressant. Et voilà, avec les 1000 pieds tout de suite pour gratter derrière. Chun-Li qui a un léger avantage qu'elle vient de perdre là tout de suite sur ce saut gros pied. Oh, elle a fui en avançant pour gratter. Oh là, le gros pied là pour remettre Chun-Li du bon côté. Ah, le petit dragon là, joli, joliment placé. Il y a un léger avantage. Ah, il n'a plus la balayette. C'est super là pour Chun-Li. À 10 secondes de la fin, c'est chaud, c'est chaud. Oh, et la chope pour conclure. Jolie victoire. Vindy qui va maintenant devoir affronter Black Mamba, alias Jean-Yves Garignon. Le serpent blanc. Avec son griffu. Qui a affûté ses griffes avant de venir. Et voilà, là, il arrive à stabiliser, mettre Indy dans le coin, il rate pas son combo. Il laisse la Dragon Dance s'effectuer devant lui sans sourciller. Même pas peur. Allez, à nouveau là le flash kick. Oh la chope, oh là. Expéditif là, le round. Et voilà, le dragon qui trade, mais encore une fois, c'est à peu près kiff-kiff au niveau des dégâts. Ah, Jean-Yves qui vient de se mettre dans le coin. C'est pas le mieux. Oh, voilà, il a failli s'en sortir là avec le flash kick. Oh là, il intercepte le saut sur la phase montante. Le Yu-Hu anti-air. Et un round partout, voilà Indy qui ne se laisse pas faire. Ah, le flash kick encore une fois, là il rate plus du tout. Hein. On voit qu'il est allé à Rennes hein, depuis, il rate plus, ça y est. Là, il se fait mettre voilà, dans le coin. Pressing de boule. Alors encore une fois, elle est bien cherchée en phase montante. C'est complètement fou. Plus beaucoup de vie. Et voilà. La victoire de Jean-Yves partout.
C'est la belle maintenant entre les deux équipes. Et c'est Grenadier qui va s'y coller avec un Ryu. Ouais, là, c'est déjà les demi-finales. Hein. Winner Bracket. Et pour l'instant, Jean-Yves là qui, voilà, qui est patient. Il n'a pas réussi à flash kicker là. Ouh là là, ouh, le bourre-pif là, c'était chaud. Ah, il a été désemparé là, on l'a bien senti là. Et t'as la couille gauche qui est tombée de la table, il faudrait que tu la remettes dessus. Ouh là, le gros Shoryu, ok, pas puni. Fort heureusement pour Grenadier. Et voilà, là, qui subit pas. Et voilà, pourtant, qui prend le double flash kick. Voilà, Jean-Yves qui vient se remettre hors du coin. Ça, c'est intelligent. Il n'y a plus beaucoup de vie, là, pour Ryu. Ah, la balayette, là, qui va chercher loin. Et le bas MP. Voilà, un round partout, là, c'est la belle des belles. Voilà, nouveau double flash kick. Ah, intéressant la chope après le avant gros point. Et encore une fois, ah là il a raté. Personne n'est parfait, pas même le président. Et voilà, là il sort du coin encore une fois. Avec le Yu, il ramasse pas la griffe. Non, il la laisse, il s'en bat les couilles. Il veut pas la récupérer, il se bat sans. Oh là la boule, attention! Oh, pas de furie! Ah là 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 là! Ah, le craquage! Voilà, victoire de la team Legion of Doom. Voilà, alors après, je sais pas qui c'est. Donc là-dedans. Voilà l'équipe des squatteurs de GGPO. Ah, il y a une couille là. Je sais pas ce qui se putain de passe. Non, voilà, ça y est, c'est bon. Donc voilà la team GGPO squatteurs à gauche. Contre l'amitié franco-allemande à droite. Donc c'est Doubles avec Boxer contre Zinzin et son Blanca au stick, attention. Le headbutt en entière. Oh, oh là là, oh la barre. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça. Non, tu ne glisses pas en dessous des coups de poing, non. Il te rattrape toujours. Et voilà, la chope. Ah, intéressant ça. L'électricité anti-headbutt. Oh là là. La bison qui met cher quand même à chaque touche. Un petit bug d'affichage. Oh, c'était intéressant. Ouais, dommage, dommage Zinzin. Voilà, deuxième match, cette fois-ci Edmond qui rentre en scène. Sympa là, le headbutt pour se sortir du setup. Et là par contre, non. Ah, intéressant la chope là derrière le cross-up. Ah, la mayonnaise là qui gratte en garde. Ah, il n'a pas réussi à taper dans le 12 coups, il prend le cross-up derrière. Round two,
Et voilà, le deux scouilles qui maintient dans le coin tout de suite. Et voilà, le headbutt pour pas prendre le coup de cul. Oh là, la chope sur le cross-up qui touche pas. La furie dans la garde. Le coup de cul qui touche au cross-up. Cette fois-ci, pas cross-up, mais la mayonnaise derrière. Le headbutt dans le dos couille. Eh non, ça suffit pas. Oh, et la furie joliment cassée par le coup de boule. Mille mains la qui remettent dans le coin. Oh voilà, joli setup, jolie phase avec double cross-up, un partout. Et voilà, c'est Milanea pour la team GGPO Squatters avec son vieux hawk. Allez, pas petit point, hein, c'est pour prévenir les douze couilles, si vous le saviez pas. Oh là, ah, quelle phase. Oh, LK, gros dragon. Et voilà. Saut arrière, c'est le gros point, je crois. Qui suffit à prendre le match. Enfin, le round, je veux dire, la deuxième round. Le 12 couilles intelligent là en entière. Il n'y a pas eu la suite après le cross-up. Ah là là, le cross-up qui touche pas derrière Honda qui peut choper. Il n'a qu'à tenter de phaser, mais il a pris un gros dragon. Le 12 couilles là, ouais, qui stop net. Oh! Ah là, le 3-6. Edmond dans le coin. Oh, qui prend tous les coups. Et victoire de la team GGPO Squatters. Donc, il se qualifie également pour la finale du Winner Bracket. En plein hiver. Il y avait le blouson, l'écharpe, les gants et les moon boots de moutarde avec son Ken face au guy de Richard. Voilà, Mout qui est agressif tout de suite avec les tatsu là. Oh, le flash kick là qui est bien senti là, ouais. Oh, la balayette à la relevée, c'est une cruauté. Mout qui ne dragonne pas. Ah là, qui tue le flash kick avec la boule. Mout qui s'envole. Qui se fait choper, voilà, qui se fait bien mettre dans le coin. Ah là, rush up, t'essayes d'éviter. Pas possible. Oh là là, à quelle pression dans le coin là. Un round partout. Voilà, le flash kick, tu sautes pas comme ça. Oh, Moutarde, il s'en fout. À la relevée, il te fait bas point dragon, quoi. Il maîtrise pas bien le negative edge, la Moutarde. Il se laisse aller sur les combinaisons, là. Hein. Il se laisse aller, hein. Oh, ça touche. Oh, c'est merveilleux. Défonce-lui sa gueule, là. Je suis pas prêt, quoi. Voilà, c'est Pitchman qui sort Edmond.
ça va pas être facile là, parce que Guile, tout de suite quand c'est solide, ça laisse pas beaucoup d'ouverture. Voilà le Sonic Boom pour casser le 12 couilles, c'est une bonne idée. Attention, grosse claque dans la gueule là, c'est toujours méchant. Il tente l'embrouille avec les coups de cul là. L'embrouilleur quoi. Voilà. Ah là, la tartine là. Le steak de phalange. Premier round voilà pour Pitchman. Ah, Richard qui essaie de maintenir la distance là avec les Sonic Boom, les balayettes. Voilà le flash kick, on saute pas comme ça, c'est pas gratuit. Voilà le flash kick, on saute pas. Mais il tente encore l'embrouille avec les coups de cul. Ah, qui touche en cross-up encore. Ah, c'est violent. Le flash kick. Oh, le mindfuck. Ah, qu'est-ce que je fais? Oh là là, putain, joli là. Il a anéanti le Sonic Boom là avec la montée du coup de cul. Voilà. Ah, et là maintenant c'est Edmond dans le coin. Oh, qui s'en sort tout de suite là, avec le coup de cul cross-up. Ah, le 12 couilles là par contre c'était peine perdue. Oh, le bas gros point là, 2 hits. Flash kick à nouveau. Edmond dans le. Oh là, il se croise dans les airs. On dirait la patrouille de France quoi, bordel. Et voilà la furie en entière. Attention, ouais voilà, il recule, et victoire de l'équipe San.
Les Indiens. Round one, fight!
Mecha Mecha. Round 1, fight! Voilà, c'est la finale Winner Bracket avec à gauche la team Legion of Doom contre les GGPO Squatters. Donc à gauche c'est Estalu avec sa Chun-Li contre Milanea et son T-Hawk. Il y a un léger avantage pour l'instant là parce que Chun-Li est bien passé dans le coin. Voilà le dragon là, ça fait mal. Encore une fois, le dragon dans la garde là, qui est pas puni là, c'est des MP mais l'option Select Chop qui fonctionne à la deuxième fois. Donc voilà, première round pour la team Legion of Doom. Et voilà, le setup classique avec le 3-6 derrière. Culé d'Indien. Voilà, c'est dit. Oh là là, ça absorbe complètement le 360. Ah, le saut petit point là qui calme bien les ardeurs de Chun-Li tout de suite là. Elle a un peu trop chaud là, elle a été refroidie tout de suite. Oh là là, le dragon là. C'est... Et le petit point qui stoppe tout ce que Chun-Li essaye de faire. Et voilà, nouveau petit point 3-6. C'est propre.
victoire de Milanea, qui a lui également l'immense honneur d'affronter celui qui est connu sous le pseudonyme de Black Mamba au Congo. Il est connu de tous les bidonvilles congolais. El Presidente. Voilà, qui sort sa griffe. Et voilà, qui se fait dragonner par contre dans les tentatives de roulade. Le cross-up et le combo qui passe derrière. Ah, c'est douloureux là, hein. C'est très très douloureux. Et il arrive à placer un petit flash kick. Pas de you derrière. Voilà, oh, la punition du dragon avec un bas middle. Et jusque dans le coin, qui s'en sort limite, c'est Rick Rack, plus de vie de chaque côté là, ça touche, ça tue, et voilà. Milanea qui dragonne. Et qui touche le président. Oh là, intéressant là, la phase descente, tout de suite dragon, le combo. Oh là 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 là. Est-ce que c'est un parfait? Oh non, oh, il a sauvé l'honneur. Et voilà, l'honneur est sauf. Mais victoire de la team GGPO Squatters. Qui se qualifie. Tout au fond, ouais. Il y avait un 64 dedans, je l'ai viré, ouais. J'ai mis dans ma boîte le coffret. Ça marche, pas de soucis, mec. Jamaica. Round one, fight. Voilà, donc ça commence. Donc toujours Estali à gauche, hein, qui n'a pas bougé. Ah, c'est pas pareil, là, il affronte un Edmond de classe européenne. Il se fait malmener. Tiens, vas-y, mec. Voilà, il perd le premier round. Ah, le saut gros pied, là, en l'air. Intéressant. Voilà, ça gratte avec les 1000 pieds. Il a compris qu'il allait en chier, là, je crois, hein. Oh là, la chope là quand il passe dans le dos, dans le recovery des 1000 pieds encore une fois. Il essaie de gratter avec les boules. Et voilà, il a tout de même réussi à égaliser un match partout, un round partout. La mayonnaise. Oula, chop spécial. Ah, le reversal l'a bien senti. Oh là, il traverse la boule avec la furie. Ah, le coup de cul là peut-être pour gratter, ce sera peut-être pas suffisant. Oh, oh quelle phase. Oh, joli. Remonter un round. Ah, je dis n'importe quoi. Fatigué. Match remporté donc par la team Legion of Doom. Voilà, et c'est Zinoldiz qui prend le relais avec son Blanca jaune. Et qui va avoir fort à faire quand même, hein. Ça va pas être easy. Et il comprend bien que ça va pas être simple, hein. Entre les 1000 pieds et les boules. Ah voilà, il arrive quand même à placer quelques phases. Et voilà, ça chope, ça chope, ça chope. Il a la dalle. Ce n'est pourtant pas le ramadan encore. Et pourtant, voilà, premier round pour Zinzin. Qui entend bien faire respecter la loi du Jartum. Voilà, les tentatives de phase anéanties là par le flash kick. Les sauts à l'infini. À
Chun-Li qui s'échappe quand même. Ah voilà, la Kikoken balayette. Tu ne bouges pas. C'est canard, hein, on voit plus rien. Les joueurs sont embrumés. Là, c'est le handicap quand tu viens jouer à Nancy. Ça... Et Zinzin qui remet les pendules à l'heure. Un match partout. Black Mamba de nouveau en piste avec son Griffu. Le roi du barbecue. Le roi de la chibrolata, c'est lui avec son Griffu. Et pourtant là il se fait mordre dès le début par le Blanca très agressif de Zinzin. Ah là, le flash kick bien gardé. Voilà le Yu qui chope. Oh, le rolling vertical, là tu sautes pas comme ça. Elle a chope à la relevée, les orgasmes masculins au fond de la salle. Ah non, là, la roulade est parfaitement découpée. Là. Ah là, le saut raté, tout de suite c'est la chope derrière. Voilà, il punit avec... Avec le bas middle, continue à mettre la pression par contre là, attention. Pas de you au pif, sinon tu te fais balancer. Et président qui s'impose. Bah tu peux rester assis gros, je crois que c'est encore à toi. Hein. Voilà, la team Legend of Doom qui revient des enfers. Pour affronter la team. Voilà, et en attendant, c'est Milanea qui a gagné ce premier match. Le commentaire est efficace. Très synthétique. Pas de blabla. Plus de vapeur, voilà. Voilà, donc c'est... C'est à nouveau l'Anaconda de Vendôvre qui va être chargé d'une mission bien difficile, ma foi. Celle du génocide sur les Indiens de Street Fighter 2X. Bon, la mission est dure. Hein. Il a déjà donné tout ce qu'il fallait dans les réserves américaines, mais maintenant, c'est également à Nancy qu'il faut venir faire le boulot. C'est pas facile. Pourtant, là, il se défend plutôt pas mal. Ah, et voilà, non, il se fait choper. Ah, non, non, ça passe pas du tout. C'est une mauvaise technique, ça. Ah voilà, le double flash kick. Ah bah non, par contre là t'essayes de sauter. Tu fais attraper méchamment et voilà, bas pied 3-6. Victoire de la team GGPO Squatters. C'est une violence. Voilà, victoire de Milanea et Noodles qui s'imposent.